Jodi a, an pil moun konsidere touye moun, vole louga ou, pran madame moun, pran mari moun, kom pi gwo peche. Men fok nou di ou, sa yo se pa anko pi gwo peche. Gen yon peche ki yo rele peche eternel. Se deli ke nou pral pale jodi a, nap mande ou pou pran ou ti tan, pou pran ou ti pasyans pou tande e pou suiv ansanm avek nou jodi a. Anko yon fwa nou di bonjou. Bonsoir à tout le monde, quel que soit côté, quel que soit zone où y est, sans prendre trop de temps, nous comptons aujourd'hui pour nous présenter une nouvelle vidéo sur Cause la Bible avec Zami ou frère Lindo Enoch. N'a toujours mandé pour prendre petit temps pour partager vidéo ça avec l'autre monde. Si c'est la première fois tout ou tomber sur channel ça, n'a mandé pour cliquer sur bouton qui marque s'abonner à une façon pour capable abonné. Après ça, vous cliquez sur petite cloche là, sélectionnez tout ou bien all dépendamment dans quelle langue téléphone ou ailleurs. Moi ces amis ou frère Lindo Enoch qui là pour servir à travers communauté ça. Jodi a nous parler de un péché qui aurait les péchés éternels. Jodi a me penser que en pile monde dans nous connaît qui ça qui ont péché parce que jodi a nous pas parler de origine péché qui ça péché et qui côté péché a sorti. Mais jodi a nous pour regarder ensemble un péché qui aurait les péchés éternels. Alors péché éternel ça c'est sûr et certain li pa gen pardon. Je dis à tout le monde tant qu'on te dou déjà et li capable pardonner. Même là ta wè tout monsieur ça yo k'a fait série des actes ça yo et k'a tout le monde passé par là, eh bien il suffit que yo renoncé, yo abandonné zak yo kon fè a et puis yo revenu à la repentance, eh bien Dieu en mesure pour le pardonner yo. Mais gon ti bémol m'a mettre pour nous et entrer conséquence du péché et puis le prix du péché. OK? Ou ka toujours payer conséquence péché ya. OK? Mais prière c'est un autre bagaille. Bon ça son l'autre vidéo qui lié n'a gè temps pour faire différence là pour entre prix et puis conséquence péché ya. Parce que je dis à gè moun qui dit quantité moun sa yo nèg sa yo touye ya, ah il pas yo pas quoi bon Dieu ta aussi Jean lié à pour t'arriver nan pardonner moun sa. Bref, c'est pas ça nous pas prêter sous ça. Et bien nous capable dire question prend madame moun ou bien prend mari moun ça relé adultère, c'est pas lui même qui pi gros péché. Je dis après l'église yo, prédicateur yo focus seulement sur péché ça comme péché qui pi gros. Alors bon zanmi te mande, est-ce que tout péché pas péché? Est-ce que gen ti péché gen gros péché? M'a tout répondre pour me dire oui, gen ti péché gen gros péché. Parce que apôtre Paul dit nous, la Bible dit nous en soi, c'est pas tout péché qui mène nous dans l'enfer. Parce que gen péché conséquence par la pidi passé yon l'autre péché. Parce que chaque péché gen niveau conséquence pa yon. OK? Gen l'autre ami tout qui t'ai tout mandé. Si yon moun planifie yon péché ou bien planifie yon mal, planifie yon bagay, est-ce que c'est lui qui péché éternel là? N'abdou non, c'est pas lui qui péché éternel là. Parce que ou fin mette tête ou en place ou dou pral faire tel bagay, ou prend telle décision pour faire tel bagay, ou fait le vrai. C'est vrai ou péché. Mais si toutefois ou vin reconnaître son te fait, son menti ou te fait, son planification le te, c'est pas yon bagay sérieux, alors c'est pas yon bagay réel. OK? Eh bien normalement Dieu a pardonné parce que normalement c'est pas pantant ou pantant sous péché ça, son péché que ou planifié ou al fait bien décidé, eh bien de pour reconnaître que ou coupable ou pas bon, eh bien bon Dieu lui-même li là pour pardonner nous. Eh bien faut que nous dou normalement péché éternel qui n'a parlé de li jodi a, si n'a alors n'a fait dans Matthieu dans Matthieu 12 verset 32 et puis n'a prend Luc 12 verset 10 là tout qui parlait ce qui ça qui yon péché éternel. Alors il dit comme ça, si toutefois yon moun ta arrivé au niveau li ta parlé mal sous bon Dieu, soit t'a dit des mauvaises paroles tant qu'on en pile moun a fait jodi a, et ou bien Jésus-Christ jouer maman dans série de bagay, alors que non seulement société a pas d'accord, mais bon Dieu pas d'accord tout. D'une série de bêtises, d'une série de mentis sous le bon Dieu ou bien Jésus-Christ, eh bien texte ça yo dit comme ça moun ça l'a joine pardon. Mais il dit piba, si toutefois moun ça yo ta fait un péché contre Saint-Esprit ou bien ta dit un bagaille de mal
contre cet esprit là, et bien moun sa yo, yo pa jwenn pardon. Nous pralé nan Marc 3 verset 29. Li même li dit comme ça: yon moun ki ta campé contre le Saint-Esprit de Dieu, et bien moun sa li pa amezi pour jwenn pardon. Et non seulement li dit pas en mesi pour jwenn pardon, et texte a dit moun sa li fait un péché éternel dans Marc 3 verset 29. Alors yon péché éternel jodi a ki sa ke li réellement? Yon péché éternel en pile moun considérer les gens que ou sot wè ke nous sot li ensemble avec ou dans texte sa yo, et bien texte a dit comme ça: yon moun ki parle l'esprit bon Dieu mal, à savoir du Saint-Esprit, moun sa li fait un péché. Écoutez, alors jodi a l'église yo prédicateur yo yo vin avec yon méthode pour expliquer réellement depuis que on moun on servante ou on serviteur de Dieu rempli par pouvoir du Saint-Esprit ou bien tout y a mette mai tout parce que ça la donne tout ou konn wè moun nan prend langue li li comme si moun nan gon mouvement gon bagay la fait li dit que c'est le Saint-Esprit moun sa yo dit le rempli par pouvoir Saint-Esprit. Si toutefois yon moun ta campé soit dans assemblée ou bien ta fond débat, il dit que moun sa qui a parlé là, c'est pas l'esprit bon Dieu qu'elle gagne, c'est un mauvais esprit ou bien c'est mal la mété. Les ça yo dit comme ça ou pas gen droit dit ça parce que la Bible interdit que pour parler l'esprit bon Dieu a mal parce que n'a fait péché, yo relé péché éternel là. Mais non, c'est pas ça vrai contexte allié. Alors, si c'est ça que ta vrai contexte là, pour qui ça, bon Dieu lui-même, lui mette le don de discernement. Li pas besoin mette don de discernement, n'importe tente yon moun douan dans l'église ou ta supposé brèle pour dire amen. N'importe sa yon moun ta dou dil pour pose rempli li, li dou n'importe bagay ou ta supposé brèle pour dire amen. Mais non, Dieu mette le don de discernement pour nous capable connaître ça qui bien avec ça qui mal. On prend le cas Marc 16. Dans Marc 16, eh bien, des demoiselles qui t'a marché derrière monsieur à Potio pendant que t'a font parcours évangélisation. Et puis demoiselles ça qui procédait par un mauvais esprit, que texte là relé esprit ça esprit python, eh bien pendant que monsieur t'a fait évangélisation, dame ça lui-même qui ça t'a fait pendant l'autre moun yo t'a parlé, t'a fait bruit derrière monsieur, eh bien lui-même lui t'a dit monsieur fait moun yo fait silence. Pour qui ça l'a dit faire silence, il dit que monsieur ça nous a parlé là son équipe chrétien yoyé, c'est la parole de Dieu, y a pas annoncé. Yon moun ki parle kon son, pas ta raison pour dire que moun sa procède par un mauvais esprit. Mais non, ou pral wè l'esprit de discernement qui soit apôtre yo pour al dire que dame sa k'ap parle là li procède par un mauvais esprit. Malgré le tab di des bon paroles, malgré ça le tab di c'est bon bagay yo teye, mais non, OK? Et ça fait moi dit nous monsieur dame, question que les nous prend langue nous virer nous dit un bagage qui pas fra moun pas même comprendre, et bien nous pral dire que c'est les moun nan dit que so di al pas bon, pas dit qu'elle fait péché éternel ou bien fait péché contre le Saint-Esprit. Non, c'est pas ça qui péché contre le Saint-Esprit a. Pour qui ça gagne don d'interprétation, l'on parle en langue nan, faut qu'on capable interpréter, et si pas gagne interprétation ou pas ka vinn nan mitan moun pour dire bon Dieu dit tel bagage. Mais non, texte la Bible dit les que moun nan parler en d'autres langues, li son moun qui t'a supposé prendre coin en pour faire ça, et puis le la parler tout c'est pas peuple la parler, mais c'est avec lui même avec bon Dieu qui a parlé. OK, nous pas faire, nous pas parler sous les dons aujourd'hui, mais plutôt n'a parler sous péché éternel. Alors c'est pas ça réellement qui péché éternel là. Péché éternel là qui s'allie. Péché éternel là c'est les on servante, yon serviteur approché de ou même pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer le retour de Jésus-Christ, eh bien, ou pas accepter, ou pas d'accord pour recevoir comme sauveur et seigneur, eh bien, laisse ça ou commettre un péché éternel. Pour qui ça qu'on y a le péché éternel? Songez ça, attendez ça bien. Quel que soit niveau que vous êtes capable de gagner dans l'église, quel que soit dimension que vous êtes capable de gagner dans l'église, l'enlèvement de l'église là, c'est le Saint-Esprit même qui est capable d'enlever. C'est pas parce qu'on t'a l'église non fait pas enlever. C'est pas parce qu'on son prédicateur, c'est pas parce qu'on son pasteur, c'est pas parce qu'on joue tel rôle ou telle fonction en assemblée qui cause ou pas enlever. Mais ou enlever parce que ou gagne l'esprit bon Dieu, l'esprit saint en dedans. Tendez bien. OK? Non, enlèvement de l'église là,
C'est pas Jésus-Christ qui a passé directement pour le dire ah ou même ou t'es qu'on a l'église m'pour m'te qu'on a l'église m'pour m'te qu'on a l'église m'pour. Non, c'est pas ça qui est lié. Mais plutôt c'est ce bon Dieu qui a activé en dedans là. Dans moment c'est lui-même qui a permis de transformer. OK? C'est lui-même qui a permis de transformer pour capable aller. Dans Éphésiens 4 verset 30, il dit pas attrister l'esprit bon Dieu qui dans nous parce que c'est ça qui scelle nous pour grand jour. Automatiquement ou fait un bagage qui désaccord avec la volonté de Dieu, et bien cet esprit à lui-même li épanier ou bien écarté, alors il pas épanier, li écarté ou li sorti sous ou. Et bien si nan moment que ou te gen problème ça et puis l'église l'a enlevé, son pral dim là, ou pral enlever? Non, ou ap rete parce que normalement l'esprit qui pour enlever la lisse le Saint-Esprit. Et faut que nous dou que la Bible clair sur ça. Il dit si tout faut ta metto en colère ou ta gon petit problème, gon contrariété, pas dormir avec colère à sous l'estomac. C'est pour dégager ou prendre route ou faire chemin pour capable demander bon Dieu pardon, pour capable pardonner. Si c'est contre un monde tout te fait, faut qu'on capable approcher contre monde là pour aller demander monde ça pardon parce que bagayo pas aussi facile mes frères et sœurs. Péché éternel là, c'est là que vous pas d'accord pour accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Tout le monde qui refuse de prendre Christ comme sauveur, eh bien, il refuse cet esprit. Parce que l'enlèvement l'a fait à partir du Saint-Esprit, mais non, ce n'est pas parce que tu as l'église. Mais non, ce n'est pas parce que tu es un adorateur ou adoratrice. Mais non, ce n'est pas parce que tu es qu'on dirige bien. Mais tu as levé ou pour aller parce que tu as gagné l'esprit bon Dieu dans la vie. Je dis à péché éternel là, frère. C'est pas dans contexte que nous moun yo a parlé de li a, mais plutôt c'est dans contexte ça les que ou pas accepter Christ comme sauveur et Seigneur, eh bien ou fait un péché et péché ça pas gain pardon pour lui. Pour qui ça le pas gain pardon? Parce que le droit de pardon nous joigne c'est à partir du Saint-Esprit. C'est cet esprit qui là pour qu'on est si ou bon avec si ou pas bon, si ou bien fait là avec si ou mal fait. Eh bien si que ou pas gain Christ dans la vie, eh bien c'est sûr et certain ou pas capable joindre pardon pour péché yo. C'est ça qui est le péché éternel. Le péché éternel, c'est un monde qui n'a pas accepté Jésus-Christ. Si tout, les gens annoncent la bonne nouvelle du sali, eh bien, ils refusent les gens, et ils ont des serviteurs, des servantes, ils ont battu, ils ont soufflé, ils ont maltraité. Ok? Eh bien, nous sommes capables de dire, mes frères et sœurs, question et péché, eh bien, c'est un bagage qui est extrêmement fragile. Parfois, ça qui est surveillé, ce n'est pas lui-même que nous plus focus sur. Parce que il y a un bagage qui est plus dur que l'autre, qui est ça ouais. Je dis à mes frères et sœurs, et amis prédicateurs, nous, pasteurs, nous, eh bien, il faut que nous soyons capables d'arranger ça pour nous capables de traiter le dossier. Moi, je suis content parce que vous êtes là avec nous. Nous disons bon Dieu merci parce que vous êtes toujours là. Alors capable toujours quitter un commentaire si toutefois vous avez une question ou une suggestion ou un bagage ou vous avez dit nous. Nous avons un numéro WhatsApp tout qui est disponible 46 87 97 19. 46 87 97 19. Je pense que c'est là que nous mettons fin aujourd'hui. Nous avons tourné un autre lien pour une autre vidéo, pas négliger de brancher et puis permettre l'autre monde capable de vivre. Émission ça, partagez dans WhatsApp, partagez sur Facebook, partagez le lien tout côté. Que bon Dieu bénisse, que grâce bon Dieu capable de vous dans le nom de Jésus. Au revoir, à la prochaine.